Prenez une paire de gants, une pince pour ramasser les déchets. Aujourd'hui, c'est... Osterputz. Osterputz, à Souffel. Un nettoyage de printemps avec une cinquantaine de personnes réparties par petits groupes sur le banc communal. Et ça commence très fort. Ben là, c'est un bras de suspension, on a une barre de fer, un radiateur en fonte. En dessous, il y a des tubes de sanitaires. Ce dépôt sauvage est conséquent. Et puis, il y a les autres. Autour des conteneurs à tri, des déchets de toutes sortes jonchent le sol. C'est pas correct. Effectivement, on prend pas soin de la nature. On devrait plus prendre soin de notre planète, tout simplement, et puis faire attention à nos déchets. Des déchets que les bénévoles n'hésitent pas à chercher dans des endroits un peu escarpés. Et on trouve de tout. Pas mal de canettes. Là, j'ai un bout de polystyrène, des mégots de cigarettes, pas mal aussi, bouteilles en plastique. J'ai ramassé 3 bouteilles de verre, des sachets crottes et des canettes. Oui. Et même un sapin de Noël. Plus difficile, un ballon au milieu de la souffle. Le voilà. Ou encore cette petite fiole, pas facile à attraper. Oui. Ouh, tout ça pour ça. Dans le secteur de l'autoroute et des ateliers municipaux, une autre équipe termine sa tournée. Et les bénévoles constatent une amélioration. Plutôt satisfait, oui. Beaucoup moins de déchets que l'année dernière. Juste sur la fin, le niveau du stade. Vraiment le stade un petit peu très pollué. À bon entendeur. Très pollué, surtout la rue du dépôt. À cheval sur les communes de Souffel, Mundolsheim et Niederhausbergen, les images parlent d'elles-mêmes. Au final, le plateau de la commune est toujours aussi rempli. Un Osterputz, c'est toujours aussi convivial. Mais on s'en passerait bien.